n'est pas musulman, mais la plupart d'entre nous, nous sommes musulmans. Mais nous avons appris, nous avons compris que bon, cette situation est un peu précaire. On ne peut pas s'annoncer, on ne peut pas s'engager à dire qui est qui a pu faire le machin et qui ne l'a pas fait encore. Il fallait, tu sais, l'affaire était très grave, donc il fallait un riposte de la part des Américains. Moi, je suis pour. Hein. Oui. Je vis ici chez ma famille au Sénégal. Je suis avec les Américains. Hein. Pour moi, c'est très bien. Il n'y a aucun mal. On ne peut pas s'engager, mais de toute façon, on comprend que à partir du bombardement, les situations deviennent de plus en plus adéquates et sérieuses. Hein. Enfin, ils ont essayé par la voie diplomatique, ça n'a pas marché. Donc, deuxième solution, c'est la guerre. Hein. Ils ont essayé à plusieurs reprises la diplomatie, parler à gauche, à droite avec les talibans. Ils n'ont pas voulu répondre, ils ont imposé des solutions. C'est normal, hein? D'abord une certaine sorte de liberté d'expression. Il y a le rêve en même temps dans un pays sur le plan économique d'une très grande puissance, que ce soit financière ou économique, culturelle, de tout ce qu'on peut dire dans le monde entier. Les États-Unis, c'est aujourd'hui comme il y a longtemps la Grèce, les Romains, le Portugal, l'Espagnol qui ont dominé un tout petit peu le monde dans d'autres générations passées. Et c'est le futur. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. La liberté d'expression, elle est très importante. Il ne faut pas parce que être hypocrite. L'hypocrisie commence quand on suit quelque chose qui n'est pas d'accord. On doit être en mesure de dire qu'est-ce que réellement, au fond des cœurs, que les gens veulent dire. Il y a une grande différence entre le gouvernement ou une personne individuelle et les gens de tous les jours dans la rue qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne sont pas protégés et qui n'ont pas de défense, ça c'est très important. Donc la solution c'est de, quand on est supérieur, c'est parce qu'on sait, il faut savoir pardonner et il faut donner l'exemple. C'est pas parce que ils ont bombardé les États-Unis, que les États-Unis doivent réagir de la même manière. Il y a d'autres moyens, et c'est une armée, une des plus grandes puissances du monde. Il y a les Marines, il y a le Special. S'ils veulent vraiment aller chercher une personne qui est à la tête de ça, ils n'ont pas de problème d'aller le prendre lui-même et l'amener ici, comme ils ont fait pour Noriega et d'autres. C'est pas calculable, je veux dire, il n'y a pas de balance, c'est pas possible. Pas, c'est comme vous et Kafa, c'est fini. Ouais. C'est fini, il faut dire, hey, attention, fais pas ça, parce que, you know, ouais. Ils peuvent arriver avec les parachutes et everything, c'est assez. Mais il ne faut pas bomber parce que c'est ridicule. Ah, tu peux le laisser là, il court, rentre, tu regardes, mais tu sais où il est. C'est comme ça, c'est ça. Il y a pas de, il y a l'Europe en même temps, il y a l'Angleterre. C'est trop supérieur, je veux dire. Et l'avenir, ça veut dire que dans plusieurs générations, on peut pas respirer dans l'air. Les enfants vont naître comme des paralysés, comme Nagasaki, Hiroshima, whatever it is. C'est ça qui est dur à réfléchir. Et je crois que je suis sénégalais, vivant ici aux États-Unis, les Américains, themselves, eux-mêmes, disent que c'est pas bien, il faut arrêter. Donc je ne serai pas le seul, et n'importe quel conscient, et que tu es un être humain, tu n'es pas d'accord avec la guerre. Mais un jour, peut-être,
il y aura beaucoup plus pour les enfants qui sont nés ici et avec pas les problèmes de papier parce qu'ils sont américains et ils sont africains, raised, élevés par des parents qui sont africains en général et qui n'ont pas d'accent pour véhiculer la langue anglaise pour pouvoir être. Donc c'est notre but, c'est de faciliter demain de ceux qui ne sont pas encore venus ou ceux qui sont nés ici. Et c'est ça. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire rien du tout. Nous sommes juste des étrangers du passage ou avec une opinion politique difficile, n'est-ce pas? Mais nous pouvons voir qu'est-ce que parler de ce que, la façon dont nous vivons ici aux États-Unis. Parce que c'est la seule chose.